les potos, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, assez spéciale parce que voilà, j'ai monté le 86, ça y est. Du coup, 86 top alu, carbu 28YSN avec la pipe Watts, boîte à clapet top perf, je vais passer juste derrière, vous verrez le top. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a, les carters sont, enfin le cylindre est aligné au carter et les carters sont un peu prépa, voilà, ils sont pas préparés comme un enculé, ils sont prépa juste un peu quoi, on a juste un peu arrondi les angles on va dire. Obturateur MOST, après bon voilà, partie cycle, hein, rien n'a changé, voilà, kit déco bêta, ah oui, le Yazuni R4, voilà, d'ailleurs il faudrait que je lave la moto parce qu'elle est pas très propre. Kit déco bêta d'origine avec la selle tout d'origine. Ce qui a changé depuis, bon, c'est toujours les mêmes poignées MOST, un petit compteur là, d'ailleurs il faudra que je remette des résidents parce qu'ils ont pété, un petit compteur à 15€ là sur Scootfast, des leviers que j'ai acheté sur Wish qui sont d'ailleurs très bien et ils me, pas de soucis et tout, pareil pour le levier de frein avec le petit bocal. Devant, rien n'a changé non plus, rétro, clignot, je crois ils ont changé depuis qu'on voyait ma vidéo, enfin depuis qu'on voyait ma moto dans une vidéo. Ensuite, du coup, voilà, comme je vous disais, boîte à clapet top perf, je suis en admis libre. MVT premium parce que j'avais MVT DD mais c'était pas le bon et du coup ben voilà, il n'y a pas plus. Bon, après ça je vous l'avais monté en vidéo, pareil pour le pignon. Non, le pignon, enfin bref, 14 Osaki. Je suis en transmis 1450 avec une chaîne, je sais même pas ce que c'est, donc voilà. Du coup, ça y est, les gars, on a fait les petits plans avec mon iPhone XR, du coup, ça fait une qualité plutôt pas mal. Du coup, là, je suis avec mon collègue en 75 Top Rose. Il a repeint son cylindre en noir pour que ça soit moins cramé par rapport au condé. Et il a Yazuni R2, pack admission mal aussi. Ensuite, il a un carbu 24 Polini. Du coup, voilà les gars, comme vous pouvez le voir, ça marche très fort. Du coup là tout à l'heure je vous ai fait des plans pas mal, je pense que ça va rendre plutôt bien, à la caméra et surtout au montage. Et du coup je vous mettrai ça avec un peu de musique, tout ça. Enfin de toute façon c'est déjà passé au moment où je vous parle là. Donc voilà. J'ai embrayé. Là, il faut faire attention parce qu'il y a des voitures.
Ah oui les gars, je sais, la moto elle tire long, elle a pas assez de patates. Et de toute façon à l'image on dirait qu'elle avance pas, mais je vous promets que ça tire même comme ça. Là je vais passer en pignon de 13 au lieu de 14. Du coup je serai en 13,50. Je serai en 13,50. Et au moins je tirerai plus court, mais j'aurai deux fois plus de patates. Et voilà. Du coup voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo avec le 4S6 vous aura plu. Et moi je vous dis à la prochaine. Et je vous le jure, dans pas longtemps. Voilà. Allez, ciao les gars.